bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Yep les gens, c'est Erxius et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Clash Royale. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment monter à l'arène 7 super facilement, soit à plus de 2000 trophées. Alors comme vous voyez, moi je suis à 2715 trophées. Et avec le deck que je vais vous montrer, je suis monté jusqu'à 2980 trophées, donc presque l'arène légendaire. Mais ce deck est vraiment invincible si vous arrivez à jouer avec, parce que c'est vraiment très dur. Il est vraiment très dur d'utilisation par contre. Beaucoup de personnes de mon clan ont déjà essayé de jouer avec et pas beaucoup ont réussi. Surtout que moi j'ai réussi à monter à 2715 trophées et je comprends pas pourquoi les autres n'arrivent pas. Donc je vais essayer de vous montrer ce deck à travers cette vidéo et de vous montrer les astuces, comment jouer, etc. avec ce deck. Du coup on va faire un petit opening en passant, on va ouvrir quelques coffres. Je vais vous montrer après ce deck. Alors on va commencer par les coffres gratuits. Alors j'espère avoir une légendaire, ça serait pas mal avec le coffre magique. Bon, ça commence bien, cochon et 8 géants royaux. La DGM, ça m'étonne pas. Une Valkyrie, 8 gargouilles. Allez, maintenant c'est parti pour les coffres. On commence avec le coffre géant. 3 gargouilles, 6 canons. Le coffre en or, les gens. J'ai hâte d'ouvrir le coffre magique. 3 chevaliers, 2 barbares. Une TDE. Et 15 squelettes. Allez, avec un peu de chance, les gens. Avant. On... Je dis que je fume au clan. Si vous voulez rejoindre notre clan d'ailleurs, on est 41 et vous voyez que depuis la dernière fois que je vous ai fait une vidéo, je pense que le clan s'est pas mal développé. On est déjà à 20 000 trophées. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui m'ont rejoint de YouTube, alors vous voyez, on a quand même pas mal de trophées. Et on a pas mal de membres assez haut niveau. Au niveau, je parle en trophées, pas en niveau, on dépasse pas le niveau 9. Mais justement, c'est bon signe. Il n'y a pas de gamer dans le clan. Du coup... donc dédicace à mon Lors et à tout le reste du clan. Du coup c'est parti, on va ouvrir le coffre magique. Allez, avec un peu de chance, 7 cartes, on va bien voir ce qu'on va obtenir. 9 chevaliers, 18 Tesla, 19 archers. Je pense que c'est foutu, sauf si on a toutes les rares et toutes les épiques d'un coup. Ah, c'est foutu, parce qu'on a minimum 2 épiques malheureusement. 17 extracteurs et 2 armes squelettes. Bon ça va, on a eu quand même... on n'a pas eu des trucs trop bidons non plus. Alors là vous pouvez voir. Alors voilà, maintenant je vais vous montrer ce deck. Alors ce deck est vraiment énorme. Vous pouvez changer quelque chose. Vous pouvez changer quelques cartes. Ça dépend de ce que vous préférez. Moi personnellement j'ai changé pas mal de fois. J'ai mis par exemple le bébé dragon à la place de la TDE. Avant je mettais électrocution et fléchette. Après c'est comme vous le voulez, mais à mon niveau. Et surtout à Batrophée, il y a énormément de gens qui jouent avec des troupes qui ont beaucoup de vie. Je vous conseille énormément ce deck. Alors moi je vais faire des attaques à haut niveau, enfin haut trophée, afin de vous montrer l'efficacité de ce deck. Et si ça marche à ce niveau, c'est censé marcher 100 fois plus à bas niveau. Et comme vous pouvez voir, on peut se servir de ce deck à très bas niveau. Vous voyez, dès l'arène 4 vous avez la TDE. Donc dès l'arène 4 vous pouvez utiliser ce deck, c'est vraiment énorme. L'électrocution, il n'est pas nécessaire de l'électrocution ni de l'extracteur. Après vous pouvez changer vos cartes si vous avez l'extracteur etc. et que vous préférez jouer l'extracteur avec ce deck, vous pouvez. Mais franchement 4,1 d'élixir ça paraît beaucoup, mais avec ce deck c'est vraiment peu. Donc c'est parti les gens, on va se retrouver pour une attaque. Donc c'est parti, on lui dit bonne chance, on fait les deux petits pouces et on va directement partir sur le combo. Alors voilà, alors un des gros combos c'est le combo de ce deck. Horde de gargouille et ballon. Ne mettez pas l'horde de gargouille, si vous avez le gargouille c'est mieux. Alors là on va jeter une boule de feu. Il a bien joué hein, mais on a quand même mis deux coups. Vous allez voir deux coups, c'est parti. Je pense que je vais mettre les barbares parce que il va me tuer trop facilement les gobelins sinon. Ou alors la T2, voilà. Alors malheureusement j'avais plus beaucoup d'élixir. J'aurais pu placer la T2 plus loin. J'espérais qu'elle pousserait le géant royal. Quand vous avez des cochons comme ça, alors là, très bien joué de sa part. Ça m'étonnerait pas qu'il me fasse un coup au moins. C'est pas grave les gens, ne vous inquiétez pas, on est en train de gérer. Du coup si ça vous arrive, surtout pensez que vous avez le ballon qui fait moins niveau 4 800 de dégâts. Du coup vous pouvez péter une tour mais super rapidement. Alors maintenant on va pouvoir essayer le combo. Alors attendez, on va pas faire le combo direct parce que le gars a mis ça
Ça, c'est pas bon signe. On va mettre les gargouilles sur le côté en espérant qu'elles attaquent. Voilà, nickel. Alors là, Géant Royal nous a mis cher des... Alors, on va mettre... Hop. Il a pas l'air d'avoir de fléchettes ou quoi que ce soit, donc on va essayer l'ordre de gargouille. On est censé lui péter sa tour. On va bien voir. D'accord. Il a les esprits de feu, c'est bien pour ça que il joue pas avec... C'est bien pour ça qu'il joue avec Princesse. Alors là, vous pouvez voir, on a déjà mis 1000 PV sur sa tour du roi. C'est vraiment énorme. En plus, il a une légendaire, j'en ai aucune. Vous voyez comme on gère ce deck assez facilement. En plus, je joue pas super bien au début de ce combat. On va mettre la boule de feu. N'hésitez vraiment pas à dépenser votre boule de feu. Hein. On attire la TDE. Le géant royal avec la TDE. La gobelin gargouille. On va retirer le géant royal, le mini PK. Et là, c'est parti. On va mettre une boule de feu. Ah, il a bien géré sa princesse. On va mettre l'ordre de gargouille. Voilà, donc normalement, il va nous péter une tour. C'est pas grave. On va mettre tout de l'autre côté. Et normalement, si on pète, il aura en 20 secondes, il aura... aucun moyen. Et voilà, alors le sort de gel qui n'a pas utilisé tout au long de la partie, le gars n'avait aucun moyen de le savoir. Et on va finir la game. On s'en fout, on met une boule de feu les gens. Le but c'est de gagner. Et voilà, on a gagné la game. Alors vous avez vu que c'était assez simple. Pourtant le gars avait le géant royal et la princesse. Et on a géré assez facilement. Du coup c'est parti les gens, on se retrouve pour un deuxième combat. Donc voilà les amis, c'est parti pour la deuxième game. On se retrouve juste à la fin afin de l'analyser ensemble. Find the right words, and there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl, so I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. It feels right, it feels right. Yeah, I can only say that it feels right. Had a doubt, felt like this is just a must. Put me in perspective, I'm the deepest in the cut. Everybody tuning in, but this is just for us now. We know I ain't ballin' yet. Hoes wanna holler, oh no, I don't call them back. Girl, let me see you hold it down, we gon' have a blast. Cause I just wanna know what you gonna do with all of that. Ain't gotta say a word, I know what's up. You can have it all, watch me rip it off. I'll admit it, you got me feeling hella loved. Even when it's going down, know that we gon' live it up. Young shot caller, always been a baller. Know that you the one, I can feel it in my heart. Yeah, I won't stop charging, be going come harder. I can see you and I, way beyond the stars, girl. I can never ever find the right words. And there's no way this is real life. There's no telling you're the right girl. So I can only say that it feels right. It feels right, it feels right.
les amis, alors comme vous pouvez voir, on a gagné les deux combats et notamment le premier combat qui était contre une princesse. On l'a géré très très facilement. Alors faut vraiment gérer la princesse et l'élixir quand vous êtes contre des decks comme ça. Faut vraiment gérer votre élixir au maximum, parce que si vous jetez une boule de feu, vous pétez la princesse, le mec va mettre full troupe de l'autre côté afin de vous focus au maximum du tour. Alors comme vous allez voir, le combo ballon gargouille gel qui est vraiment énorme. Alors sur le combat, vous allez voir qu'on l'a utilisé au dernier moment, ce qui a surpris vachement le mec. Il s'attendait pas du tout à ce qu'on l'utilise, puisqu'on ne l'avait pas utilisé de toute la game. Et vous allez voir que ça a porté ses fruits. La TDE qui défend, mais vraiment super bien. Comme je vous ai dit, il faut vraiment gérer votre élixir. Posez-la de façon à ce que le géant royal ou le cochon ne puisse pas toucher votre tour. Comme vous avez pu voir dans le deuxième combat, le cochon n'a pas touché une fois la tour juste à la fin. Aux dernières secondes, il a réussi à commencer à focus la tour. Et le combat s'est arrêté. Mais vous voyez que ce deck est vraiment polyvalent et il est vraiment énorme. Donc voilà les amis, alors si cette vidéo et ce deck vous ont plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner à partager cette vidéo et pourquoi pas laisser un commentaire, c'est vraiment le plus important, ça m'aide énormément au niveau du gameplay et au niveau du commentary, vous donner vos impressions, ça m'aide vraiment énormément. Donc allez les gens, ciao ciao.